Mais jusqu'où ira Bruno? Le désormais célèbre champion des 12 coups de midi ne s'arrête plus sur TF1 et se lance le défi de battre tous les records du jeu. Alors qu'il est enfin devenu le plus grand maître de midi en détrônant Eric en termes de participation. Le jeune homme vient de valider sa 205e victoire, ce jeudi 19 août. Mais le nouveau chouchou de Jean-Luc Reichmann ne s'est pas contenté de ça. Il a également trouvé une nouvelle étoile mystérieuse qui s'élevait à 39 789 euros. Dès le début de l'émission, le trentenaire avait affiché son ambition de décrocher le précieux sésame et ainsi de franchir la barre des 900 000 euros. Et ce dernier a bien fait d'être très sûr de lui puisqu'il a finalement découvert que les cases cachaient le musicien et ex-juré de Nouvelles Stars, Manu Katché. Cette découverte le hisse encore au sommet puisqu'il bat le record du candidat ayant remporté le plus grand nombre d'étoiles mystérieuses. Et encore une fois, Bruno a détrôné Eric. Si le Breton en avait démasqué 7, son successeur. Lui, en est à 8. Un bonheur pour le maître de midi qui est reparti les bras remplis de cadeaux tels qu'une voiture ou encore un appareil photo. Pas question cependant pour le recordman d'étoiles mystérieuses de se reposer sur cette nouvelle victoire. Bruno vise déjà plus loin. Ça fait un record de plus. C'est une fierté, mais je garde à l'esprit que le dernier record à battre serait celui des gains, a-t-il confié à Télé Loisirs. En trouvant cette nouvelle étoile mystérieuse, Bruno se soulage d'un très gros poids. Depuis plusieurs émissions, le champion ne faisait que donner la mauvaise réponse et craignait de revivre le grand malaise de mai dernier. Alors que toutes les cases avaient été révélées, il avait ainsi été incapable de retrouver le nom de Marcel Hamon. Elle n'était pas facile à trouver, a-t-il déclaré. Je ne sais pas s'ils l'ont corsé. Parce qu'ils savent que je fais beaucoup de recherches à ce sujet. Je me suis dit que ça allait chercher loin. On ne peut pas tout trouver. Mais cette fois-ci, je n'ai pas refait de Marcel Hamon, c'était un peu mon angoisse de rester bloqué une nouvelle fois sur un visage totalement dévoilé. Et de ne pas le reconnaître. C'est donc une nouvelle étape franchie par Bruno. À quand la prochaine ?